Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo-là est possible et je vous promets de vous le donner. Voilà pourquoi je ris souvent lorsque j'entends la polémique sur les voyages présidentiels. Mais, chers compatriotes, si vous saviez combien de fois j'ai eu envie de rester chez moi à la maison à côté de ma femme et de mes enfants, les voyages ne sont pas du tout une villégiature. Les voyages ne sont pas du tout une partie de plaisir. Les voyages sont vraiment des épreuves. Parce que partout où je vais, tout le monde veut avoir les nouvelles du Congo, tout le monde veut avoir des informations sur le Congo. Et je fais un travail ensemble avec mes collaborateurs de chercher des investisseurs, de les rassurer, de tout faire pour les intéresser à venir chez nous, investir leurs capitaux et créer des emplois. Mais ce n'est pas du tout une villégiature, ce n'est pas du tout des vacances. Et ceux qui polémiquent, à ceux-là, je leur dis, on a déjà ramené plus d'1,5 milliard grâce à ces voyages. Des voyages qui n'ont même pas coûté 50 millions de dollars. Mais on a déjà ramené plus d'1,5 milliard pour le Congo. Et nous allons continuer. Nous n'allons pas écouter ces mauvaises langues qui avaient déjà promis, rappelez-vous, qu'ils vont tout faire pour que les investisseurs ne viennent pas au Congo. Voilà Bandokio, Bazali Koloka Congo. Biso Tokanisi que Baza Bandeko, Zokande Baza Bandoki.